Voilà. Allez, c'est parti. C'est le début du match. Voilà, Boulaïdia qui lance le coup d'envoi. On est servi avec ce début de match qu'on attendait. Donc on va voir si le Sénégal va tout de suite se mettre en action, essayer de prendre la direction des opérations. C'est ça qu'on a envie de voir. L'attitude des premières minutes. Qui va essayer de prendre le dessus? Donc il y a aussi Sekou Kouyaté qui est un très grand joueur qui est aujourd'hui sur le banc. Je crois qu'il va falloir travailler davantage les coups de pied arrêtés. Et pour cette rencontre, j'ai vu que c'est le jeune joueur Pape Makhtar Sarr qui est. Allez, première frappe, le but. Voilà le premier but. Boulaïdia, comme je l'avais dit. Troisième, quatrième minute de jeu. Il a fallu Boulaïdia qui montre la voie à l'équipe nationale du Sénégal. Il a fallu attendre le début du match. Frappe déviée. Mais ça valait le coup d'attendre. 3 minutes pour le tir dévié. Mais ça fait but quand même. Bravo. 1-0 pour les Lyons. Ouais. C'est l'entame dont on devait rêver. Le même timing contre l'Egypte au stade Abdoulaye Wade. C'était à la quatrième minute qu'il avait aussi marqué le but. C'est l'entame dont on pouvait rêver en exploitant le moindre ballon d'attaque. Contrôle, frappe, voilà qui rebond sur la cuisse de l'autre et qui prend à contre-pied le gardien. Premier but du Sénégal dès la quatrième minute de jeu. Ah, c'est bien donné ça. Allez, le petit dribble s'est passé. Oh, il y a peut-être un contact et une faute. Penalty. Penalty pour le Sénégal, c'est normal. Là, il y a eu une faute du gardien qui est sorti en retard, mais qui ne l'est pas en retard sur un joueur comme Sadio Mané qui a transpercé encore une fois une défense adverse. Penalty pour le Sénégal à 5 minutes de la mi-temps. Ah oui, très bien joué par Sadio Mané, le fofolé de cette équipe nationale du Sénégal, la star du football africain du moment qui a encore fait du Sadio Mané. C'est extrêmement important. Regardez cette passe lumineuse qui s'invite dans la défense, il n'a peur de rien. Passe entre deux défenseurs, voilà. Déjà, il a retenu par le maillot avant que le gardien de mettre tout simplement son pied. Récupération de balle et la super ouverture de Pape Gueye. Pape Gueye, belle passe de l'Olympien. Voilà, belle passe de l'Olympien. On profite aussi de l'occasion pour saluer ma présidente à moi, ma soeur à moi, Aïssatou Ben Kane, Madame Lo, depuis Dakar. Ouais, Sadio Mané face à Carlos Tempé. On va voir, l'arbitre n'a même pas encore autorisé. Sadio, il s'élance et il marque, bien sûr. Comment peut-il en être autrement? Sadio Mané, toujours aussi précis, serein dans ce genre d'exercice. Il est fort, Sadio Mané, et il permet au Sénégal de mener 2-0 juste avant la mi-temps. Très bien joué par Sadio Mané, un contre-pied parfait. Je crois que ce gardien n'a pas bien étudié les coups de pied arrêtés par Sadio Mané parce que généralement il met tout le temps sur le côté droit. Et là, c'est bien fait pour lui, c'est extrêmement important, surtout il traverse une mauvaise passe plus ou moins au niveau du Bayern de Munich, ça peut lui faire du bien. Et dans l'expression de sa joie, il marque un petit peu moins en club ces derniers matchs, là, c'est pour ça. Et on le voit dans l'expression de sa joie, le public il scande son nom, lui aussi qui montre toute sa fierté pour son pays. Sadio Mané qui vient d'inscrire son 34e but en sélection, il est le recordman de buts en sélection devant Henri Camara. Le match se termine, victoire du Sénégal 2-0, le score n'a pas bougé mais globalement c'est un bon match. On peut considérer que cette première est réussie dans ces matchs de préparation. Il y aura la deuxième dans quelques jours contre l'Iran, mais la première c'est 2-0 contre la Bolivie avec Boulaïdia et Sadio Mané. Voilà un match bien satisfaisant pour les Lyons.